Salut à tous les amis, c'est Drake et bienvenue pour cette petite vidéo sur Overwatch. Nous allons faire une petite ouverture de coffre car j'avais envie, tout simplement j'avais envie de me payer les 50 coffres pour l'édition anniversary. Donc on va voir ça ensemble. On va sortir la Mastercard, bien évidemment. Merci, t'as besoin de ton achat de 50 coffres. Parfait, oh là 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 là. Ouh là là. Alors, juste avant, on va voir dans ma carrière, j'ai joué combien d'heures à peu près. Comment on voit ça? Tous les modes? Ouais. 529 heures de jeu, ah oui. Oui, je suis. Ce qu'on pourrait dire, un joueur de la première heure. Hein. J'ai acheté Day One. Ce jeu, donc ça fait quand même quelques années maintenant, il est sorti en quoi? En 2017, c'est ça? 2016-2017? Donc ça fait maintenant 5 ans que je joue à ce jeu. Je n'ai pas testé la bêta d'Overwatch 2, parce que c'est un jeu qui ne m'intéresse pas plus que ça en vrai. Avec le premier, je suis très à l'aise dessus, donc je suis. Voilà, je préfère rester là-dessus. Premier coffre. De la merde. Après, le pognon, ça fait toujours plaisir. Ah oui. Ok. Deuxième coffre. De la merde, super. Bon, par contre, je vais pas dire à chaque fois troisième, quatrième machin de coffre. On va passer rapidement. Hein. Allez. Rien du tout. Okay. Bon, par contre, si j'ai payé 50, 40 balles, il n'y a rien, franchement, rip mon argent quoi. Ah, non, toujours de la merde, un peu d'argent, ça fait plaisir. Ouh là 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 là! Ah, sympa celui-là, oiseau de nuit, ah ouais, celui-là, sympa. Très sympa, ok. De la merde. Après honnêtement, vu que j'ai payé le jeu 50 balles, j'ai joué plus de 500 heures, franchement c'est rentabilisé. C'est pour ça que je me suis dit, bah, cette fois-ci je vais me faire plaisir, on va dire. Ce sera pour la fin d'Overwatch. En tout cas, ma fin d'Overwatch. Contre, ce serait bien qu'il y ait un peu plus de, de légendaire. Hein. Des modes skins, bordel. Ah, du pognon. Après le pognon permet d'acheter des skins, donc au final... Putain, c'est vraiment de la merde. Je stresse, ça fait 10 coffres, là il s'est pas passé grand chose. Putain, mais ces putains de tags, de sons et tout ça, on s'en fout. Allez, des skins. Ah, ah, c'est pas celui-là que je voulais. Bon, c'est toujours un skin, mais. Il est pas ouf. Ah. Alors, alors, alors. Ouh. Oh, Camille. Oh Camille, je voulais. J'ai rarement acheté des skins avec l'argent du jeu. Donc je suis content de l'avoir celui-là. 37, putain, ça passe vite. Hein. Ça fait très jeu à gratter. Hein. T'en passes plein et c'est très rapide. Ah! Ouh, le Doom Fist Costar. Nice. Ah non. On s'en fout des tags. On s'en fout. Ah, du pognon. Putain, il reste plus que 30 coffres. Oh là là. Bon après il y a quand même les 3 coffres légendaires. Donc ça pourra sauver la mise. Hein. Ah. Oh, celui-là de Zenyatta. Ah, parfait. Celui-là j'aime bien. Celui-là, yes. J'aurais bien voulu voir l'autre Zenyatta. J'aimerais bien voir tous les skins de Zenyatta en fait. Vu que c'est mon main. Allez, encore deux légendaires SVP. Il y en reste que. Il y a plus 18 coffres SVP, c'est passé trop vite. 50 balles, parti en fumée. Les nouveaux skins anniversary là, ils sont ultra stylés. Mais le problème, c'est qu'ils coûtent 3000 chacun. Donc, putain, pour les choper. En fait, il y a que la technique de jouer ou de payer. Ah! Ah! Ah, sympa! Démon taureau, sympa, sympa, ça j'aime bien. Non.
plus que 10 coffres. Super. Ah, légendaire. Stylé. Ah, celui-là, il est bien. Le cercueil, il est cool. Parfait. J'aimerais bien un petit zen, ça ferait plaisir. Du pognon. On a dépassé les 4000. Ah, légendaire, Zeta. Non, du pognon, ça fait plaisir. Tiens, je vais parler du coffre à 500. De la merde. De toute façon, dans 80% des coffres, c'est de la merde. Voire 90. Voire 95. Un peu que 4, c'est passé trop vite. Ah, franchement, si j'ai vraiment du pognon, parce que là j'ai gagné un petit peu de pognon, donc j'ai pu payer 40 balles. Mais si j'ai vraiment du pognon, je foutrais 2000 et c'est parti quoi. On enchaîne 500 000 coffres. Allez, un petit légendaire pour finir. Un petit légendaire. Ah, encore un Doomfist, mais celui-là, stylé, le gladiateur, nickel. En plus, celui-là, je le connaissais pas. Certains, je les connais pas. Actuellement, nous sommes sur un point décisif. Car il y a les trois coffres anniversaires légendaires. Donc, logiquement, nous avons des skins légendaires. Merci, hein. Merci, merci, on aurait compris. Mais je peux très bien choper des skins légendaires qui m'intéressent pas. C'est bien ça le problème. Donc. C'est parti. Croisez droit, on croise les doigts de pied, on croise tout ce qu'il peut. C'est parti. Oh, éternité, celui-là je le voulais, yes. Ok, sympa. On croit en tous les dieux possibles et inimaginaux. Deuxième coffre. Oh, je le voulais, je le voulais. Trop bien. Radioactif, yes. Très bien. Dernier coffre anniversaire légendaire. Fuck, c'est de la merde. Bon bah on gagne pas tous les coups. Hein. Voilà, voilà, c'est fini. Carrière, on a eu 10 000 tags différents, galerie des héros, oh là là, ils y sont tous passés. Alors, Anna, on a quoi? Célébration. Viens avec moi. Pop, la... Des répliques, on s'en fout. Ange. Une émote. Des répliques, on s'en fout. Des tags, on s'en fout. Ok. H. Des répliques, on s'en fout. Des tags, on s'en fout. Ah, les tags et les répliques, on s'en fout. Enfin, moi, je m'en fous. Moi de toute façon, il n'y a qu'un seul tag que je mets. Mais c'est pas celui-là. Attends. D'habitude. Voilà. Non. Attends, c'est celui-là. Voilà. Trop génial. Voilà. C'est le seul tag qui existe. D'accord. Le reste, c'est de la merde. Celui-là, c'est le seul. Suis-je bête? Impassible. Non, attends, pas si. Tac. Je fais. Réplique, ok. Donc, le skin, c'est. C'est le Blanco. Éternité. Ah, il est chouette. C'est. Bah, du coup, attends, c'est Medicine Pest, mais en blanc. Ouais, c'est ça. c'est ça. Dracula. Le premier qu'on avait eu, c'était celui-là, Street. C'était vraiment cool, mais je l'ai pas eu. Dracula, ouais. Sympathique. Le roi des rats. Alors, celui-là, je connais le personnage du roi des rats, mais je ne sais pas du tout d'où ça vient. Donc, aiguillez-moi hein, si vous connaissez. Hanzo. Célébration, merde. Salut. Salut. Médaille. Embroché. Ouais, j'aime bien celui-là. Réplique, on s'en fout. Alors, les skins. Loup noir. Oh putain, il est trop stylé. Ah, celui-là, je ne connaissais pas celui-là. Celui-là, mon dieu, oh là là. C'est le Dark Okami, on est d'accord, ouais, c'est Dark Okami. Celui-là, ouais, je connais. Moyen. Celui-là, sympathique.
Le vague, putain, celui-là, je le veux trop, il est trop stylé, en short de bain, putain. Ça c'est connu, ça c'est connu, ça c'est connu, ouais. Loup noir, putain, mais il coûte 3000 quoi, les gars, 3000! Après, tu me diras, j'ai 4000, mais le problème, c'est qu'après, je pourrais pas en prendre d'autres. On verra. Crème glacée! Ouais, celui-là, je le connaissais pas. Putain, ça fait. Ça fait quoi? 50s, un peu? Ça fait. Ouais, 50s, 70s, je sais plus. Je sais plus de quelle année ça fait, mais ça fait une année américaine. Dioné, ok. Avec les DS et tout ça, ok. Scientifique, j'aime bien. Blackwatch, j'aime un peu moins. Pff, putain, what the fuck, celui-là, danseuse masquée. Impératrice des glaces, ok. Ah, ça fait très. Comment s'appelle ce putain de film? Merde. Narnia, voilà. Ça fait très Narnia. Et Banshee. Ouais, j'aime bien le scientifique. Ça reste dans l'ambiance. Ouais, j'aime bien celui-là. J'aime bien. Du coup, vu que j'ai 3000, je pourrais me prendre éventuellement l'arme. Le problème, c'est que l'arme, on la voit quasiment pas. Hein. Ah, ça, ah, si, on voit quand même un peu les ongles et tout. À voir si je me prendrais pour elle. Bref. Orisa, célébration. Cierge, magique. Ok. Réplique, on s'en fout. Alors, reine actuellement. Oh, pour le Noël dernier. Ok. Parce que j'ai pas joué enfin cet hiver j'ai pas joué donc j'ai pas joué depuis quasiment l'été dernier donc ouais, quasiment un an que j'avais pas joué Overwatch donc je ne savais pas que cela existait. Ok. Démon. Sympathique. Arbitre. Oh, il est trop cool. Jeu d'été. Voilà, par exemple, typiquement celui-là je peux l'avoir dans les coffres d'été donc celui-là je vais pas le prendre par exemple. Même si celui-là il est trop cool. Trop cool. Wujing. Guan Yu. Chef de train. Oh! Il est marrant celui-là. Ah, celui-là il est très sympa. Et plaqueur, ok. Après cela, à l'époque, celui-là, je crois que c'était le plus stylé. Et c'était à l'époque. Et celui-là, ok. Non, j'ai rien débloqué. Alors, il y a quoi pour lui? Figma, ok. Ça fait très. Comment dire? Un peu. J'ai pas joué à WoW, donc ça fait très méchant de WoW, un petit peu, je trouve. Par contre, plongeur, alors lui, ah oui, avec la barbe et tout, il est trop stylé, avec les effets des bulles. Il est en moule bite, trop stylé. Enfin, c'est pas vraiment une moule bite, hein, c'est un maillot, mais ça lui moule là. Mais compris. Oh. Ok. Symmetra. J'étais en architecte Hydra. Ah, ça fait très. Dragon, ouais, c'est ça, je cherchais le truc, mais en fait, c'est dragon, mais. Version Ida, ok. Moyen. Franchement, les gars, ils ont pas d'imagination. Comment ça se passe? Genre, ils ont payé des millions pour trouver des putains de skins, des designs de skins, et ils font un switch color, quoi. Ok, super, le mec. Merci, Blizzard. Sirène. Oh, voilà, celui-là, il est chouette. Celui-là, il est chouette. Et puis, c'est cet été. Ah, donc, du coup, c'était suite de l'été dernier, logiquement. Est-ce que, du coup. D'une année à une autre, les skins deviennent passe à 1000. Genre, vu que c'était logiquement un skin de l'été dernier, donc il y a quasiment un an, est-ce que du coup cet été, dans quelques mois, voire un mois ou deux, je sais plus à quelle date c'est, enfin bref, est-ce que du coup le skin va passer à 1000? Ou est-ce qu'il va rester encore à 3000 jusqu'à encore attendre une autre année? Vraie question, je ne sais pas. Viking, ok, jeu d'eau. Putain, là il est sympa celui-là, oh là là. Très sympa. Alors bon, ça je connais. Je connais, je crois. Ouais. De base, je me mettais en ingénieur, mais du coup, là, Deadlock, je l'ai quelques jours, donc du coup, celui-là, Deadlock, oh là là, trop bien. Mais du coup, c'est lequel qui m'intéresse, le bûcheron hiverno? Ok. Ah ouais, bah oui, effectivement, il y a la neige, donc oui. Sinon, Viking, bah tiens, je prendrais peut-être jeu d'eau. Ouais. Zarya. Tag, on s'en fout. Alors, lui, c'est quoi? Médaille. Attends, décontracté. Dérouille. De base, j'en ai pas beaucoup des skins de Zarya. Et celui-là, je l'ai eu, bah, du coup, Halloween dernier. Avant, j'étais tout le temps en. J'étais en quoi? Je crois que j'étais en minuit. Ouais, de base, j'étais en minuit. De temps en temps sibérienne, quand je faisais ma double combi avec le Sentai de Genji. Mais j'avais pas grand chose. Putain, il y en a plein. Oh, stylé en viking. Stylé.
Enfin, c'est pas vraiment viking, c'est chevalier médiévaux de je sais plus quelle armée de l'Europe de l'Est. Bref. Exercice, sympa. Moyen, ça va. Ça va. Non. Que... Ouais, à part. J'aime bien exercice, elle aussi, putain, celui-là il est trop stylé, ça lui va trop bien. Trop trop bien. 1000. Archive, ok. Et enfin, le dernier pour la fin, mais le meilleur en même temps, Zenyatta. L'iris vous étreint. Non. Libérez votre esprit des pensées superflues. La meilleure réplique, c'est... Zenyatta rêva qu'il était papillon. Voilà. Zenyatta rêva qu'il était papillon, voilà. Libérez Pas votre besoin de dire quelque chose esprit de des plus. pensées. Tout est dit. Zenyatta rêva qu'il était papillon. Tout est dit. Donc je suis en version, bah du coup, avec les bouboules goldées. Et pourquoi me direz-vous? Regardez, j'ai quand même pas mal de tenues chez lui. Il m'en manque quelques-unes. Dont je viens d'en choper une. Ouais, j'ai chopé celle-ci. Et du coup, j'en ai quand même pas mal. J'ai même des tenues version des équipes de Overwatch. Je regarde pas en vrai. En fait, j'ai jamais regardé un match d'Overwatch League. J'aimais juste bien les tenues. C'est tout. J'ai juste. J'aimais bien les tenues. Mais du coup, pourquoi me direz-vous? N'utilises-tu pas un skin tel que Adorateur, Zenita, Casse-Noisette, ils sont tous beaux. Et ben non, parce que le Zenyatta, c'est celui-là. C'est le Zenyatta parfait. Voilà, il n'a pas besoin de plus. Zenyatta, il est très bien comme ça. Mais, fanatique. Fanatique, il est stylé. Fanatique, là, oh là là, qu'il est stylé. Lui, je le paierai bien. Avec offre anniversaire, je sais pas quelle date c'est anniversaire. Ah bah putain, mais je suis con, c'est ça en ce moment, putain. Je suis trop con. Lui, il y a moyen que je le prenne. Zang Zang, celui-là, je l'aimais pas trop. Rétro Robot, celui-là était marrant, mais c'était pas Zenyatta. Et Lanceur aussi. Donc je pense que je me prendrai, il y a moyen, genre le dernier jour avant la fin de l'event, Fanatique. Et le tag, on s'en fout. Entrée en scène, voilà celui-là. C'est le meilleur. Même mes attaques, c'est mon main, je vais tous les avoir. En fait, je les achète pas, je veux les débloquer. Je garde mon argent, c'est si jamais il y a vraiment un skin que je veux absolument à 3000 et je peux pas l'avoir parce que c'est le dernier jour ou la dernière minute, au moins je garde l'argent de côté pour pouvoir m'acheter ce que je veux. Ah, fin dans 17 jours. Voilà, tu me diras, je suis large. Du coup, les amis, voilà. C'était une petite vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires le skin que vous avez préféré, ou même dites-moi votre skin à vous préféré, ou même votre main, dites-moi tout ça dans les commentaires. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Drake et je vous dis à la prochaine. Merci à tous et bye tout le monde!